Salut tout le monde. Aujourd'hui, en compagnie d'Alter, nous allons aborder une histoire des plus intéressantes. Une histoire dans laquelle nous allons débuter notre aventure au cœur d'un ARG pour ensuite nous diriger vers une ancienne vidéo de notre chaîne pour enfin faire un lien avec la réalité. Alors vous allez voir, c'est tout un parcours. En effet, il va falloir avoir la tête sur les épaules pour comprendre et digérer tout ce qui va être abordé ici, car l'histoire est riche, troublante, énigmatique. Enfin, vous aurez compris tout ce qu'il faut pour faire un excellent voyage. En commençant par l'ARG, The Hypnagogic Archive. Bon voyage. Nous avons pour la première fois entendu parler de cet ARG, ou jeu de réalité alternatif, pour ceux qui ne sont pas habitués à cet acronyme, grâce à un très gros youtubeur américain, Wendigo, au travers de ces deux vidéos. L'une aborde le site internet de cet ARG, tandis que l'autre analyse la chaîne YouTube qui est rattachée. Vous voyez, parfois on peut croiser le chemin d'une série que l'on ne peut définir en quelques mots. Eh bien, c'est à cela que nous avons affaire. Les archives hypnagogiques se définissent comme un cumul d'anciens médias émanant des premiers jours d'Internet. Toutefois, après avoir lu la totalité de ces archives et égrené les indices présents au travers d'Internet, je peux vous assurer que ce qui se cache derrière est bien plus intéressant et terrifiant. Nous allons passer parmi des séries de textes et de vidéos, puis au travers d'une page guestbook pour les visiteurs, ainsi qu'au travers d'un blog utilisé par le staff du site internet. Pour ceux souhaitant se pencher sur les textes ou qui préféreront cliquer sur les vidéos, vous allez vous retrouver dans une ambiance supernaturelle avec des trames narratives inexplicables. Vous tomberez sur des histoires abordant des thèmes comme les extraterrestres, le Hatman, les hallucinations, les distorsions temporelles, les oiseaux zombies, les conspirations, l'histoire de créatures spirituelles démoniaques, de rencontres étranges ou encore d'autostoppeurs fantômes, juste pour n'en nommer que quelques-unes. Si je devais décrire les archives hypnagogiques en une phrase, je dirais que c'est un ARG trempé dans une ambiance à la Twilight Zone. Voilà, nous vous avons offert cet extrait qui en soi est extrêmement parlant quant à ce que peut nous offrir cet ARG. Sauf que contrairement à Wendigo et à un autre youtubeur nommé Nightmare Masterclass, qui ne se sont tous les deux intéressés que au contexte de cet ARG, nous allons de notre côté aborder le sujet tout autrement, en sortant au fil de l'histoire du contexte de l'ARG pour tranquillement glisser vers quelque chose de plus tangible, de plus terre à terre. Mais avant d'atteindre la fin de notre histoire, il nous faut un début, une base. Alors voyons un peu ensemble ce que l'on va appeler en français les archives hypnagogiques. Avant d'entrer dans les détails de ce que peut contenir cet étrange site internet, une chose ici que nous aimons faire, c'est de déconstruire ce site, afin d'avoir une idée, une vue d'ensemble de ce qui nous attend. Pour ce faire, nous avons utilisé un site internet, Octopus, qui nous permet d'obtenir une image, une vue d'ensemble de la composition du site internet. Ce que l'on peut voir tout de suite, c'est que le site est simple. Il possède une page d'entrée, nous menant vers un total de 32 sous-pages. On retrouve sur le site 24 histoires distinctes, toutes abordant les sujets relevés par le youtubeur Wendigo au travers de l'extrait présenté plus tôt. Alors dites-vous bien qu'à l'époque où Wendigo a fait sa vidéo, il n'y avait que 13 histoires. Aujourd'hui, nous en comptons 11 de plus. Mais ce site ne propose pas que des histoires. Sur les 32 pages qui le composent, on retrouve également 3 pages présentant les pensées finales de 3 personnages. Shelby, Ellis et enfin Chloé. Puis, pour compléter le tableau de ce site, nous trouvons, à côté de la page d'accueil, 5 autres pages. Le dossier ici des textes donnant un chemin vers toutes les autres pages, le dossier vidéo, la page guestbook, un blog et enfin une boutique. Maintenant que vous et nous avons une bonne vue d'ensemble de ce qui compose ce site internet, voyons un peu ce qu'il contient. Et pour commencer, il nous faut vous donner la définition d'un terme, hypnagogique. L'hypnagogie est l'état de semi-conscience entre la veille et le sommeil. Il est la clé de la créativité. Cet état, vous l'avez sans nul doute ressenti. C'est le moment, par exemple, durant lequel, alors que vous êtes en train de dormir, vous vous sentez parfois littéralement tombé. C'est aussi parfois à cet instant que vous allez vous réveiller en sursaut, persuadé que vous étiez réellement en train de tomber. Pour autre exemple, si avant de vous endormir, vous avez joué des heures à Tetris,
il se peut que lorsque vous tombiez dans la phase de sommeil, vous vous mettiez à voir littéralement des formes de Tetris passer devant vos yeux. Eh bien, cette forme d'hallucination fait elle aussi partie de ce que l'on appelle l'hypnagogie. Et c'est avec cette précision en main que nous allons sans doute pouvoir mieux comprendre ce que propose le site. Ici, dans les archives hypnagogiques, nous dévouons cet espace à la préservation de ce qui fut anciennement à la fois étrange et merveilleux. Êtes-vous un fan du Web 1.0, autrement connu comme le vieux Web ? Alors, vous êtes à la bonne place. Le Web 1.0 est en quelque sorte la première mouture de l'Internet public que nous connaissons à chaque jour. Et pour vous donner une idée de ce à quoi il ressemblait, eh bien il suffit de regarder le site internet des archives hypnagogiques en lui-même. Une suite de pages fixes, quelques hyperliens et un minimum de couleurs. Nous sommes dévoués à garder le passé en vie, quel que soit ce qu'il en coûte. Voilà le message que nous donnent le ou les personnes derrière ce site. Sur ce dernier, nous retrouvons donc 24 histoires. 24 histoires au travers desquelles nous ne passerons pas, car elles sont longues, complexes et vous le verrez, n'apporteront que peu de choses à la finalité de cette vidéo. Toutefois, ces histoires, tout aussi diverses et variées soient-elles, sont censées, d'après ce que propose le site, provenir d'anciens sites internet. On peut par ailleurs trouver en en-tête de chacune d'entre elles la source de leur provenance. Et lorsque l'on vérifie l'existence de ces sources, il arrive parfois que nous tombions sur de la pure fiction, comme dans l'histoire Your Defining Silence, qui provient d'un blog de Tabasco Blog, qui, après recherche, paraît ne pas exister. Et parfois, comme pour l'histoire intitulée Zither, provenant d'un site entertheadilum.com, nous pourrons retrouver la trace de ce site, sans pour autant, par contre, pouvoir confirmer que l'histoire qui y est rattachée a bien été présente sur ce site. Dernier détail concernant ce site. Il existe un lien sur la page d'accueil menant vers un autre site, le Yesterweb. Ce dernier n'est plus en fonction, mais se targuait de vouloir au fil du temps créer, établir une culture du web parallèle à la culture mainstream, en suivant les règles d'un manifeste établi. En conclusion, en ce qui concerne le site internet, nous sommes ici en présence d'un ARG riche en écriture, riche en création, qui demande beaucoup de temps de lecture, mais également, au travers de ses vidéos, beaucoup de temps de visionnage. La page YouTube comporte à l'heure actuelle 26 vidéos, et c'est en les regardant que l'on se dit que nous sommes sans conteste en présence d'un ARG. Certaines vidéos, comme celle-ci, sont un montage datant, d'après ce qu'en dit la description, de 2003. Il est, entre autres ici, le remix d'un ancien film de 1936, The Burning Question, aussi nommé Reefer's Madness, abordant le sujet des effets néfastes du cannabis sur les adolescents. Sauf que cette vidéo ne semble pas contenir de messages ou de codes cachés, comme on peut le retrouver régulièrement dans les ARG. Est-ce ici un stratagème réfléchi pour essayer de noyer le poisson ? Sans doute. Mais à côté de cela, d'autres vidéos paraissent nous offrir un pont direct entre le site des archives hypnagogiques et la chaîne en question. Par exemple, si on prend la vidéo The Old Route 33C'3, on découvre qu'elle cache trois images, trois portraits, tous présents sur une seule frame de la vidéo. Ces trois images, entre autres, représentent deux femmes et un homme. À côté de cela, sur le site, souvenez-vous que trois pages s'intitulaient « Pensée finale ». Et ces trois pages portaient sur trois protagonistes. Shelby, une fille, Chloé, une autre fille, et enfin Ellis, celui qui gère le site internet. Le lien ici se fait naturellement. Trois visages, trois histoires, deux femmes, un homme. Il pourrait ne s'agir que d'une coïncidence, mais là, je ne crois pas. On pourra même retrouver un autre lien concernant cette vidéo. Sur le site internet, on retrouve une histoire intitulée « Vessel of Commerce ». Et si on analyse la page internet, on trouve alors que le titre donné à cette image est
33C'3, que l'on retrouve également dans le titre de cette vidéo. Et les vidéos de la chaîne regorgent de petits détails de la sorte, tous plus subtils les uns que les autres. Mais dans l'ensemble, que ce soit au travers du site internet ou au travers des vidéos de la chaîne YouTube, Yann et moi, nous sommes rendus compte de quelque chose. C'est que tout cela est littéralement un beau bordel. Cela part dans tous les sens. Et qu'au bout du compte, il ne semble pas qu'il y ait de fil rouge permettant de retracer une histoire cohérente. C'est là que nous nous sommes posé une question. Qui peut être derrière cet ARG? Qui peut bien avoir réussi à engager la notoriété de ce gros youtubeur américain qu'est Wendigo pour qu'il aille jusqu'à mettre en avant un ARG qui, au bout du compte, manque de cohérence? En tout cas, à nos yeux. C'est en poussant nos recherches un peu plus loin que nous sommes tombés sur quelque chose qui va, derechef, nous extraire du monde de l'ARG pour nous ramener à la réalité. Une réalité que Wendigo ou Nightmare Masterclass n'ont pas relevée. Une réalité qui va nous emporter dans un souvenir présent sur notre chaîne, la chaîne de l'étrange voyage. Mais pour l'heure, parlons un peu d'une toute autre personne. Dans cette section, nous allons vous présenter des faits et aborder la vie d'une personne. Alors nous ne sommes pas là pour nous moquer de lui, qu'il soit saint d'esprit ou non, hein. Nous allons essayer de ne pas poser d'opinion. Notre but étant seulement de démontrer un comportement. Restez attentifs. Nicolas Sequeira a commencé à se faire connaître sur internet par le biais de la plateforme Reddit. C'est au cours de l'année 2019-2020 qu'il y est apparu. Sauf qu'il n'a pas fait son entrée comme tout le monde, en se créant un profil et en partageant des idées, des opinions, des sujets. Non, au lieu de cela, il a créé plusieurs comptes. Beaucoup de comptes. Mais au début, personne ne s'en est aperçu. Nicolas était certes présent, mais pas envahissant. Puis, sur plusieurs de ses comptes sont apparues des images, lesquelles comportaient le message suivant. Achetez les BD de Nicolas. Voyant que ces publicités placées sur ses comptes ne fonctionnaient pas, Nicolas décida d'utiliser d'un sacré stratagème pour mettre en avant un de ses ouvrages. Il décida de s'auto-troller. Le thread que vous voyez ici expose tout un stratagème mis en place par Nicolas Sequeira pour essayer d'attirer l'attention sur lui en se portant comme victime de troll de la part d'un compte Reddit nommé, et retenez bien cela, Smart Ass. Pour faire simple, il accusait Smart Ass de créer des mèmes en utilisant son image. C'est quoi ces conneries? Quelqu'un a fait un mème avec ma face? Bardingo, c'est toi? Un mème avec toi? Oui, quelqu'un utilise mon image pour faire des mèmes. Vraiment pas marrant. Sauf qu'en finalité, sur son Discord, il admettra être l'auteur de ses propres trolls. C'était une ruse assez élaborée mise en place pour gagner leur confiance. Aujourd'hui, je dévoile ma ruse. Les personnes dont il parle, lorsqu'il parle de gagner la confiance de quelqu'un, sont celles appartenant à un groupe nommé le BNS, un compte Reddit dédié à essayer de faire bannir le personnage. BNS signifiant Ban Nicolas Sequeira. Et là, Alter, il faut que tu nous expliques un peu pourquoi des personnes ont souhaité le bannir. Qu'a-t-il fait? Car en le regardant, il n'a pas l'air bien méchant. Eh bien, Nicolas a tout d'abord commencé à agacer à cause des multiples publicités qu'il mettait en avant pour vendre ses bandes dessinées, dont voici quelques planches. Alors oui, ces dessins sont naïfs, mais n'oublions pas que ce type d'art contemporain peut plaire. Il suffit pour cela de prendre par exemple Jean-Michel Basquiat, qui à son époque s'est fait connaître pour produire ce type d'œuvre. Après, comme on le dit, tous les goûts sont dans la nature. Le souci n'est donc pas ici un jugement de valeur quant à la qualité de ce qu'il propose, mais la manière dont il s'était, à l'époque, implanté sur Reddit pour forcer la mise en avant de ses bandes dessinées. Et pour ce faire, il a créé au fil du temps, pas moins, et écoutez cela, pas moins d'une quarantaine de comptes, comme ceux répertoriés sur la liste qui déroule en ce moment sous vos yeux. Ce qui s'est passé, c'est qu'à force de faire de la publicité forcée et de placer sa propre adresse en commentaire, il se faisait bannir ses comptes avant d'en créer de nouveaux par la suite. Alors dites-vous bien par contre que tous ces comptes
ont été créés en une année et demie, soit une création de presque 2 profils par mois. Ah ouais, ok, 2 profils par mois, ok. C'est quand même sacrément impressionnant. L'un des soucis avec Nicolas, c'est qu'en créant tous ses comptes, il se mit à avoir des discussions littéralement avec lui-même, dans lesquelles il s'auto-critiquait. Nicolas est tellement une petite merde. Accusant des groupes de personnes de s'être alliés contre lui pour le diminuer. Dans cet exemple, la discussion est entre, écoutez bien, Smart Ass et Nicolas. Sauf que, souvenez-vous, on l'a vu plus tôt, Smart Ass, c'est Nicolas. On comprend ici que le souci principal est la victimisation, qui est souvent un jeu dangereux sur les réseaux. Et petit à petit, plusieurs personnes ayant gravité autour de lui se mirent à parler. Je faisais partie de la section questions-réponses de son Discord. Il est dérangé et délirant. Et pense qu'être violé n'est pas aussi dégueulasse que de ne pas vendre de ses bandes dessinées. Ce type a soit besoin d'aide, ou doit être accompagné. Il a une sorte de complexe de Dieu. Ici, cette personne nous explique que ce Nicolas a un ego démesuré, qu'il a sans doute des soucis psychologiques et surtout, qu'il dit que c'est moins grave de se faire violer que de ne pas vendre ses BD. Alors, pour référence, la personne ayant relevé cela n'a pas inventé ses dires. On les a retrouvés sur le Discord de Nicolas. Eh bien non, c'est vrai, je n'ai pas été violé, mais ouvrir sa boîte aux lettres et la retrouver complètement vide me fait sentir aussi mal que si j'avais été violé. Lorsqu'il parle de boîte aux lettres complètement vide, il veut pointer du doigt qu'elle ne contient aucune commande de ses bandes dessinées, qui, il faut l'avouer, n'ont que très peu de succès. Mais il est vrai que ce Nicolas paraît réellement avoir un ego extrêmement prononcé. Sur ce screen, par exemple, on voit 3 personnes parlant ensemble. Sauf que ces 3 personnes sont toutes des comptes de Nicolas, qui ici s'offre littéralement une discussion en triptyque avec lui-même. Enfin, et pour clore le chapitre Nicolas Sequeira, il faut savoir que cette personne a des idées extrémistes qui ne peuvent séduire tout le monde. On va vous montrer une image qui, je suis certain, vous fera comprendre ses pensées profondes. Pourquoi ne pas tuer les Noirs? C'est emmêlant d'avoir toutes ces différentes races. Ils ont des chiffres trop bizarres comme 5280, et tout le monde sont des descendants de la race aryenne, sauf les Noirs et les Juifs. Alors voilà, chacun ses idées, mais celles qu'il présente ici au travers de son serveur Discord ne sont pas les nôtres, et dépeint un mode de pensée auquel nous n'adhérons pas. Toutefois, il est quelque chose qu'il faut donner à ce personnage, c'est que c'est un sacré travailleur, car à côté de ses bandes dessinées, il était aussi connu pour avoir créé des morceaux de musique, mais surtout, des ARG. Exactement, des ARG. Et c'est là que notre histoire va commencer à prendre forme. Nicolas Sequeira a créé plusieurs ARG, et pour ceux qui connaissent notre chaîne, vous l'aurez sans doute remarqué, mais il est un de ces ARG que nous avons déjà essayé d'analyser, son nom, The Doors. Chacune des vidéos présentes sur cette chaîne dure moins d'une minute trente, et se compose, pour la plupart d'entre eux, d'un titre composé en général d'un mot unique, à l'exception d'une série appelée Preparing for Transmission, se traduisant comme Préparation à... En fin de cette vidéo, nous avions déjà pointé à l'époque le fait que ce Nicolas essayait à tout prix et par tous les moyens de vendre ses bandes dessinées. Mais nous n'avions pas fait plus de recherches que cela sur sa vie. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous en apprenez bien plus sur lui que ce que nous avions pu vous en apprendre à l'époque. Mais ce Nicolas est connu pour autre chose que la qualité de ses ARG. Il s'agit de son comportement, parfois parasitaire envers certains confrères. Ainsi, il y a 3 années de cela, un ARG nommé InstarLab est créé par un dénommé... Alors, QVZZW Patou, que nous appellerons ici Patou. Celui-ci a commencé à créer un hashtag se rattachant à son ARG. Ce dernier, assez complexe que vous voyez, a été repris par une partie de la communauté, et plusieurs vidéos sont apparues arborant ce même hashtag. Et dans cette liste de vidéos, on retrouve celle-ci, directement rattachée à l'ARG de Nicolas, The Doors. À première vue, rien de suspect là-dedans. Sauf que d'un autre côté, sur Reddit, un compte appartenant à Nicolas a commencé à mettre en avant l'ARG de Patou. C'est vraiment un super ARG. Il est également connecté à 2 autres ARG. Je le recommande chaudement. Il est composé d'une tonne d'éléments et d'un univers riche. Il a ici tout à fait raison. InstarLab était prometteur. Très prometteur. Et certains ou certaines personnes dans la communauté sont même allées jusqu'à le comparer à Cicada 3301, ce qui est une référence à la matière. Mais ici, Nicolas Sequeira nous dit que l'ARG de Patou est connecté à 2 autres ARG. Sans citer lesquels.
C'est sous le compte de l'ARG The Doors sur Reddit que nous comprendrons alors qu'il parlait tout simplement de lui-même. Je pense qu'il est temps de faire une mise à jour pour ceux qui ne le savent pas, mais The Door est en fait un ARG faisant partie d'un univers complet avec deux autres ARG, Scranton et QVZZ. Alors ici, lorsqu'il dit QVZZ, il veut parler de InstarLab. Sauf que non, hein, ici il ment. Pour surfer sur la notoriété naissante de l'ARG de Patou, hein, qui s'appelle QVZZ ou InstarLab. Pire encore, l'autre ARG qu'il cite, Scranton, est aussi une de ses propres créations. Le souci, c'est que Nicolas a commencé à être de plus en plus invasif avec ce Patou, en incluant toujours plus de ses ARG dans le sien. Ce qui, au final, mènera ce dernier à arrêter. Nick essaie de prendre possession d'un ARG en utilisant deux de ses faux ARG, The Doors et Scranton. Nick essaie d'insérer ses ARG dans l'histoire en mentionnant QVZZ dans ses posts, et en envoyant des MP à QVZZ pour que ce dernier lui réponde afin de créer des fausses preuves de sa connexion avec QVZZ. Tout cela a créé un drama sur son serveur Discord, forçant l'ARG à mourir, selon les dires de son créateur. Nicolas, n'arrivant donc pas à obtenir la notoriété qui lui est due, selon lui-même, et cherchant à trop en faire, finira donc par faire couler un ARG au profit des siens, qui, hélas, ne fonctionneront pas vraiment. Et c'est en 2022 que tout va changer. Si vous avez bien suivi l'histoire d'aujourd'hui, je pense que vous comprenez là où nous allons en venir. Nous avons abordé un ARG, les archives hypnagogiques, pour ensuite passer sur cet étrange personnage qu'est Nicolas Sequeira. Alors, quel est le lien entre cet ARG et ce monsieur ? Eh bien, pour le trouver, il ne faut pas chercher très loin. Il suffit d'aller sur la page boutique du site, car c'est là qu'il se dévoile. On vous a dit que ce qui avait plutôt déplu sur Reddit fut tous les stratagèmes qu'il avait mis en place pour essayer de vendre ses bandes dessinées. Et bien ici, il va encore agir de la même manière, en vendant d'obscurs produits sur cette page boutique qui pourrait paraître n'être qu'une fausse page à première vue, posée ici pour agrémenter le site internet, mais qui ne l'est pas. Car pour vendre ses affaires, Nicolas a toujours utilisé le même système. Pour passer commande, envoyez le montant d'argent ainsi qu'une enveloppe préadressée à Nicolas Sequeira, 1424 Columbine Street, Denver. On retrouve par ailleurs ces mêmes produits sur son propre site internet aux côtés de ses bandes dessinées. Mais alors, comment Nicolas a réussi à faire de son ARG une référence? Car on ne vous l'a pas encore dit, mais oui, suite aux vidéos de Wendigo concernant les archives hypnagogiques, son ARG est devenu quelque chose comme en témoigne cet iceberg, le plaçant en tier 3 dans la catégorie parmi les meilleures séries à son niveau, aux côtés de séries comme Egva, 2h32 ou encore Post Content. Pour arriver à une telle notoriété, Nicolas ne put passer par Reddit, plateforme qu'il décida de quitter lui en 2021. C'est alors qu'il se décidera pour rejoindre un autre réseau anonymisant, je veux parler de 4chan. Un compte nommé Ellis est apparu au cours de l'année 2021, présentant les bases des archives hypnagogiques. Ellis, vous vous souvenez, c'est aussi le prénom de la personne se présentant comme étant celui ayant repris le site internet des archives hypnagogiques. Et vous vous souvenez, dans la vidéo de la chaîne YouTube des archives, celle intitulée The Old Route, 33C'3, celle-ci cachait en son sein trois portraits. Eh bien, ce troisième portrait n'est autre que celui de Nicolas Sequeira, autrement dit, Ellis. C'est donc lui qui décida de présenter son ARG sur 4chan. Sauf qu'une fois n'est pas coutume, il le fit en créant plusieurs comptes. Ici, par exemple, on retrouve une autre discussion dans laquelle Ellis présente les archives hypnagogiques. Sauf qu'en dessous, ce même Ellis se répond à lui-même. Les archives hypnagogiques ? Oh, je regarde votre site depuis 2012, c'est super cool, le style est génial, je suis accro. J'espère que votre nouveau site gardera cette touche ancienne. Je peux vous envoyer une vidéo ? Attends là, je ne savais pas qu'on pouvait en soumettre. Ce à quoi quelqu'un ajoutera en dessous... T'as oublié d'enlever ton nom. Voilà. Ça n'a pas pris longtemps pour que Nicolas recommence à se créer des questions-réponses pour essayer de mettre en avant l'une de ses productions. Et c'est en usant de ses interactions et en spammant le pseudo de Wendigo au travers de 4chan qu'il va finir par attirer son attention.
Comme je l'ai dit, si je suis tombé sur les archives hypnagogiques, c'est parce que quelqu'un m'a mentionné dans un thread 4chan sur lequel il discutait de cette ARG. Je vais parfois sur 4chan car des personnes me mentionnent sur divers topics et, de temps à autre, comme ici, je deviens fan de certains de ces topics. C'est suite à cela que Wendigo est tombé sur cette ARG qui, a fortiori, semble avoir attiré son attention puisqu'il a quand même fait 3 heures de vidéos sur le sujet. Tout ceci permettant à Nicolas de trouver la notoriété après laquelle il courait tant. Alors tout est dans le titre de ce chapitre, et je pense que ce dernier est assez clair. Non, en fait, Nicolas ne se retrouvera pas couronné roi des créateurs d'ARG, bien que ce soit son rêve. Mais fort de cette soudaine notoriété, il prendra la parole. Et c'est cette parole qui va signer la fin de l'intérêt qu'ont pu porter les joueurs à son jeu. Écoutez plutôt. Voici l'histoire complète expliquant comment j'ai créé l'un des ARG les plus virales qu'Internet n'ait vu depuis longtemps. Ce projet est sans conteste celui que j'ai le plus réussi. De son point de vue, il vient donc de créer l'un des meilleurs ARG de son époque, ce qui concordera avec plusieurs commentaires sur 4chan. Je pense que les archives hypnagogiques sont le meilleur ARG de l'année. Ouais, les vidéos des archives hypnagogiques sont parmi les meilleures. Sauf que, encore une fois, et cette fois-ci nous n'en avons pas la preuve, il se pourrait que les comptes commentant de manière dithyrambique sous chaque poste concernant les archives hypnagogiques ne soient que des créations de Nicolas lui-même. Nous émettons ici un jugement, mais ce n'est pas pour rien. Tous ces posts mettant en avant cet ARG utilisent le même champ lexical et sont, comme par hasard, extrêmement élogieux à son égard, allant presque tout le temps le comparer à d'autres ARG ou web-séries d'extrêmement bonne qualité. Les archives hypnagogiques se différencient des autres séries d'horreur analogiques telles que Local 58 ou Gemini Home Entertainment, selon mon opinion. Et ce commentaire, lorsque nous l'avons lu, nous a fait sourire. Écoutez ici, vous comprendrez pourquoi. Je pense que mon ARG est plus profond que bien d'autres, trop superficiel parfois, ce qui le différencie d'autres comme les Walton Files, le Mandela Catalogue, ou bien encore même Local 58, si je peux me permettre d'être honnête, puisque ma série est bien plus profonde que cette dernière. Voilà, pour lui c'est aussi simple que cela. Son histoire est plus profonde, plus fouillée qu'un Mandela Catalogue, qu'un Walton Files ou que Local 58. C'est quand même étrange de voir que lui-même compare sa production à d'autres, reconnus pour leur qualité, tout comme le font bizarrement les personnes en anonyme sur 4chan. Même registre, même mode de pensée, et presque l'utilisation des mêmes termes pour parler de son ARG. Ce sont ces quelques points qui nous font penser que, sans doute, plusieurs des commentaires sont juste les siens, Nicolas répondant à Nicolas. Dans ces vidéos que Nicolas a tournées suite au passage de son ARG sur la chaîne de Wendigo, il nous explique que oui, il y a beaucoup de secrets à trouver dans son histoire, mais que non, il n'y a pas de trame narrative définie. Il parle du fait qu'en quelque sorte, il avance au feeling, sans vraiment avoir d'objectif de fil rouge. Et écrire une histoire, sans avoir une trame au préalable au minimum dans sa tête, c'est souvent, mais pas tout le temps, synonyme d'échec. Soit vous l'aurez compris, au travers de ce complexe voyage, nous sommes ici en présence d'un ARG qui pourrait fonctionner, mais qui ne marchera sans doute pas à cause de l'intention de son créateur. Le souci de ce Nicolas, c'est que dès qu'il a eu l'occasion de se nourrir d'une certaine notoriété, il s'est jeté dessus, en créant une vidéo. Comment j'ai créé un ARG viral ? Si viral que ça qu'il ne fera que 734 vues. En une année. Et sa seconde vidéo sur le sujet ne fera pas beaucoup mieux. Depuis cette viralité, plus personne n'est vraiment revenu sur le sujet des archives hypnagogiques qui, au bout du compte, ne semble pas être à ce point devenu l'ARG le plus innovant du monde. Voilà, c'en est donc fini pour aujourd'hui, nous sommes bien heureux d'avoir, ou d'être arrivés à la fin de ce voyage qui nous a pris énormément de temps d'écriture et de recherche tant il y a d'éléments à organiser, même si ici, nous n'avons pas plongé dans le monde de l'étrange. Nous avons décidé de vous présenter ce voyage pour à la fois vous présenter l'explosion et la chute d'un grand projet, mais surtout comment un esprit mal intentionné, forçant pour réussir, peut parfois toucher du doigt les étoiles, avant de retomber sur Terre, dans le désert de l'anonymat. Allez, prenez soin de vous, c'est la fin de cet étrange voyage. N'oubliez pas, si vous avez apprécié, partagez la vidéo, le petit commentaire, le petit coup de pouce, comme d'habitude. Soit,
On vous dit ciao, bye, et à la prochaine. Et en effet, on se retrouve dans 2-3 semaines. Ciao, bye. Prenez soin de vous. À la prochaine.